你们好。你好，艾丽桑达。你们好吗？你好，安德呀，好久不见，ça fait longtemps。你还在放假吗？你好，Julien。你好，Robert。安德呀，你还在放假吗？Est-ce que tu es encore en vacances？你好，Véro。你们能听见吗？你们能听见吗？告诉我，你好，Jean-François，你好，Benedict，你听见吗？啊，Jean-François，我在山里度假啊，à la montagne。Tu passes tes vacances à la montagne。Très bien。你好，Roland，啊，能听见，能听见。很好，哼哼，très bien。Alors, juste, je vais attendre un petit peu。你好，Elisabeth。你们在度假吗？你们在度假吗？度假，c'est passer les vacances。你们。在度假吗？Est-ce que vous êtes en vacances？Vous pouvez écrire dans les commentaires, peut-être il y a un petit décalage, mais c'est pas très grave. 你们在度假吗？你们在度假吗？是的啊，是的，还在度假。好，那你们学中文了吗？你们学中文了吗？你好，Bueno。你们学中文了吗？Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans le commentaire si vous avez compris cette question? Ni men, xue, zhong wen le ma. Attention, il y a le. Il y a la particule le. Donc c'est une action qui est déjà terminée. Ni men, xue, zhong wen le ma. Une petite interrogation avant notre cours. Ni men xue zhongwen le ma? Ah, très bien, Véro. Ni men xue zhongwen le ma? Est-ce qu'on a étudié le chinois? C'est ça. Xue le ma? Ni hao, Irène. As-tu déjà étudié? Oui. En fait, c'est avez-vous étudié le chinois? Elisabeth, wo xue le zhongwen. Hen hao. J'ai étudié le chinois. Et Elisanda, 我又开始工作了。Je recommence à travailler. 我又开始。Ah, en fait, vous voulez dire, en fait, c'est je recommence l'apprentissage du chinois. C'est ça? J'étudie le chinois de nouveau. Attention, ici, c'est un piège. En chinois, quand on parle d'étudier quelque chose, en fait, on dit suer, c'est apprendre ou étudier. D'accord? Sauf qu'en français, c'est travailler. En fait, travailler qui signifie vraiment travailler dans une société, avoir un emploi. Ça peut être aussi travailler une langue, travailler son mathématique, etc. Deux sens. Sauf qu'en chinois,
quand on parle d'étudier, il faut dire xue ou xueqi. Xue ou xueqi. Wo xueqi hanyu. Hen hao, Julien. Wo xueqi hanyu. Ok, très bien. Une petite interro avant le début, avant qu'on commence le cours. Donc, merci d'être présent à tout le monde ce soir. Comme vous savez, en fait, ce soir, c'est le dernier live avant la rentrée. En fait, je voulais vous prévenir, en fait, comme au mois de septembre, je vais commencer mes cours de plusieurs niveaux de chinois. Donc, en fait, je vais consacrer un peu plus de temps à préparer les cours et à accompagner les élèves. Donc, en fait, pour faire les lives, j'aurai un petit peu moins de temps et je ferai mon mieux. C'est pour ça, en fait, ce soir, j'ai préparé le thème de cours. C'est vraiment un sujet très vaste. Il paraît très, comment dire, pour certains élèves qui ont un bon niveau, ils pensent que ce n'est pas hyper intéressant. Mais personnellement, je pense que c'est un sujet très important pour tous les niveaux des apprenants. Peu importe à quel stade vous êtes, je pense qu'il y a quelque chose, il y a des bonnes méthodes et bonnes pratiques que je pourrais partager avec vous. Et le seul but, c'est que vous puissiez progresser rapidement en chinois. Ok, ni hao qin, ni chi dao le, tu es en retard. Hao de, très bien. Donc, dans le live de ce soir, je vais parler d'abord quelques méthodes et pratiques pour progresser en chinois. Et vous allez voir, ce sont des choses, il y a des nouvelles choses que j'ai jamais parlé. Même d'ailleurs avec certains de mes élèves, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter. Il y a aussi des méthodes que j'utilise déjà dans mes cours de chinois avec mes élèves. Et ici, je partage quelques méthodes qui fonctionnent très bien et qui pourront vous aider dans l'apprentissage du chinois. Et dans la deuxième partie de ce live, je vais répondre à vos questions et vous pouvez réfléchir un petit peu quelles sont vos difficultés dans l'apprentissage et qu'est-ce que on va vraiment, on ne va pas entrer dans les détails sur les telles grammaires, telles prononciations, mais vraiment dans l'ensemble, si vous avez des questions globales, comment apprendre cette langue, etc., n'hésitez pas. Et je vais répondre, si je peux répondre à toutes les questions, je ferai de mon mieux, ok? Donc, donc la première chose, donc je vais parler un petit peu les méthodes, les remarques que j'ai eues depuis très longtemps. Alors, en fait, je remarque qu'en fait, beaucoup d'élèves, souvent, sont en autodidacte pour apprendre le chinois. Donc, en fait, on trouve sur Internet, on achète des livres, on a des applications sur téléphone, on a des vidéos gratuites sur YouTube, même des contenus sur Instagram, sur plein de réseaux sociaux, partout. C'est très bien, ils sont très motivés à apprendre, mais le seul problème, c'est qu'en fait, ils ont du mal à garder le focus. C'est parce que, en fait, peu importe avec quelle méthode, quelle cours ou quel moyen qu'on va apprendre cette langue, il faut toujours garder en tête, il faut avoir un programme structuré. C'est-à-dire, dans un mois, qu'est-ce que j'apprends? Pendant 3 mois, qu'est-ce que j'apprends? D'ici 6 mois, je devrais atteindre un tel niveau. D'ici 1 an, qu'est-ce que je suis censée de faire? Parce que si on ne se donne pas une direction, on a une tendance à s'éparpiller et on commence à regarder des vidéos et le lendemain, on regarde des dramas chinois et au fur et à mesure, on connaît plein de choses. Mais sauf que on ne maîtrise pas vraiment ces connaissances vraiment correctement et on ne sait pas vraiment utiliser. Alors, en fait, donc, quelque part, les élèves, en fait, ils ont perdu de vue de priorité initiale. Voilà.
C'est ça. Souvent, en fait, c'est le problème quand on apprend tout seul, on n'arrive pas à structurer. Peut-être pour certains cas particuliers, peut-être quand on a appris plein de langues tout seul, peut-être on y arrivera sur cette langue-là. Mais en général, ce que j'ai pu remarquer, c'est vraiment on a une tendance à apprendre, 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 sauf qu'on ne met pas forcément le temps de revoir ce qu'on a appris. Donc, quelque part, en fait, on l'oublie très vite. Donc, finalement, ces informations ne sont pas acquises. On va dire, oui, on a appris, mais on ne les a pas retenues. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, des fois, en fait, on investit beaucoup de temps au mauvais endroit et on n'avance plus sur notre objectif. Donc, ça, c'est vraiment un grand problème. Et d'ailleurs, en fait, beaucoup de mes élèves étaient aussi dans cette situation-là. Et depuis qu'ils ont décidé de suivre mes cours et puis en visio et suivre le programme HSK, et ils me disent que cette approche est vraiment plus efficace et ils progressent pas à pas. Donc en fait, la preuve, c'est qu'il faut vraiment avoir quelque chose structuré, on suit un programme et puis semaine par semaine, on va progresser correctement. Voilà. Donc voilà. Ok, je vois quelques commentaires. Donc en fait, ici, je voulais dire en fait, si dans votre apprentissage, il vous manque de la régularité, si vous êtes vraiment vous éparpillé, et puis vous n'arrivez pas à prioriser des choses. Et si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement dans la formation, donc vous pouvez suivre mes cours, vous pouvez nous rejoindre pour la formation de septembre. Et les cours sont en petits groupes. Le petit groupe, en fait, vous permet de s'entraider et de se motiver. C'est vraiment quelque chose de très, très positif. Et à la fin, alors juste dernière chose, avant la fin de la semaine prochaine, c'est la dernière chance de vous inscrire à mes cours de septembre. Donc, si vous avez ce projet-là, il est temps de vous lancer. Voilà. Maintenant, je vais parler d'une autre remarque et aussi la méthode. C'est-à-dire, en fait, quand on apprend les caractères. Les caractères, ça c'est le casse-tête pour certains d'entre vous, peut-être. Certains d'entre vous, en fait, peut-être ont déjà l'habitude de t'apprendre les caractères depuis des années. Mais ici, je vais quand même partager quelque chose qui vous paraît très, très basique, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas vraiment cette méthode basique. Et d'ailleurs, je vais aussi ici ajouter quelques compléments pour vraiment insister sur des points importants pour que vous puissiez travailler correctement et efficacement. Voilà, ça c'est hyper important. Parce que souvent quand on apprend, on a une tendance à dire, oui, la semaine dernière j'ai appris, mais aujourd'hui je ne me souviens plus ce caractère, comment il se prononce, comment il écrit, j'ai tout oublié. Donc, quelque part, il y a un problème de méthode. D'accord? Donc on va voir petit à petit qu'est-ce que c'est. Alors, en fait, avec mes élèves, on utilise déjà cette méthode-là. Et j'insiste tout le temps en cours. Donc, tout d'abord, quand on va apprendre un mot, la première chose, c'est logique. Tout le monde sait, c'est apprendre la prononciation. D'accord? Apprendre la prononciation et ensuite on va dire qu'est-ce que ça veut dire, la signification de ce mot-là. OK? Et ensuite, on va commencer à attaquer Ni Hao Ga Dai. Ensuite, on va commencer à attaquer l'écriture. Donc, avant de continuer le process, juste. merci Elisabeth. Juste, je voulais faire une petite parenthèse, c'est que mémoriser un mot, en fait, il y a trois parties. Donc, en fait, au niveau de mémorisation. Donc, en fait, il y a la mémoire visuelle, c'est-à-dire de reconnaître ce caractère, ce mot-là. Il y a la mémoire auditive, donc ça veut dire entendre
et je sais c'est quoi comme mot et j'arrive aussi la reproduire, la prononcer. Ok? La troisième mémoire, c'est le gestuel. Donc, c'est-à-dire à l'écrit. En fait, une fois on sait comment écrire, on a formé quelque part quand même une mémoire de la main gestuelle. D'accord? Donc, pour si on veut dire je maîtrise ce mot correctement, donc il y a trois parties. Mémoire visuelle, mémoire auditive et mémoire gestuelle. Ok? Donc, tout à l'heure, je viens de dire, en fait, il faut apprendre la prononciation, apprendre la signification, et puis la plus importante, la plus longue, je dirais, c'est la troisième étape, l'écrit. Donc, comment on va faire? Peut-être certains d'entre vous vont me dire, ah, c'est très simple, on va faire des lignes, et puis jusqu'au moment où on arrive à reproduire la même chose. Non, pas vraiment ça. Des fois, on peut répéter tout bêtement des lignes. Je ne sais pas, on peut faire 10 lignes. Chaque ligne, il y a 20 fois de caractères. On peut faire ça, mais on perd trop de temps. Donc, il faut vraiment travailler intelligemment. C'est quoi? Donc, tout d'abord, avant de tracer un caractère, quand on apprend, d'abord, il faut analyser et décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tout d'abord, il faut analyser c'est quoi la structure de ce caractère. Est-ce que c'est la partie en haut, en bas, à gauche, à droite, ou c'est la structure gauche, milieu, droite? Première chose, ça c'est hyper important. Il faut avoir cette habitude, d'accord? Donc ça c'est première chose. Ensuite, c'est quoi comme radical et composant dans ce caractère-là? Ça c'est quelque chose qui va nous aider pour mémoriser. Parce que quand on parle de caractère hao, bien, donc dans ce caractère hao, ah, il y a le radical de femme déjà. Et ensuite, il me semble, il y a le composant qui signifie fils, enfant. D'accord? Ensuite, une femme qui élève son enfant, c'est quelque chose de bien. Donc c'est hao. D'accord? Donc, ça, c'est deuxième étape. C'est quoi comme radical, radicaux et composants? Troisième chose, c'est là, on prend le stylo, on va commencer à tracer. Et maintenant, il faut prendre une grille d'écriture. Dedans, il y a des petites cases. Et d'abord, en fait, je suggère tout le monde de noter le pin d'abord. Parce qu'en fait, quand on écrit le pinyin, il faut prononcer en même temps. Donc, ça fait une fois la prononciation. Ensuite, on fait dans la première case, on fait le premier trait. Et ensuite, dans une nouvelle case, on ajoute un nouveau trait. Jusqu'au moment où on arrive à faire le caractère complet. Ça fait la décomposition, trait par trait, et plus un caractère complet. D'accord? Donc, normalement, quand on trace trait par trait, en fait, il y a deux possibilités. Soit on prononce les traits, soit on prononce le caractère. Donc, c'est à chacun de faire. L'idéal, je pense que c'est quand même de faire, comment dire, prononcer le mot, parce que la finalité, c'est quand même de redonner la prononciation de ce caractère. Ce n'est pas les traits. Mais les traits, il faut les reconnaître déjà. Ici, c'est un point, c'est pas la diagonale droite. Vous voyez, il faut déjà distinguer c'est quoi comme trait dans chaque composant. Ensuite, je disais, en fait, il faut faire la décomposition, ensuite on fait le caractère complet. Quand vous faites dans chaque case, il faut prononcer ce caractère. Pourquoi? Il y a beaucoup d'élèves ne font pas. Ils sont, quand ils tracent sur une feuille, on n'entend plus rien. Il n'y a pas un bruit. Et ça, c'est le grand problème. Parce que, comme c'est une langue complètement différente, on a un peu de mal à associer la prononciation avec l'écriture. Donc, cet exercice-là, cette étape-là, c'est hyper important. Il faut écrire et en même temps, on prononce. Vous voyez? Ça, c'est... En fait, je pense que
peut-être pas tous les professeurs qui vont vous apprendre, mais ça, c'est vraiment que j'insiste avec mes élèves chaque fois, même avec les élèves qui sont des enfants, et chaque fois, j'insiste parce qu'on a une tendance à dire « Non, c'est bon, j'ai pas besoin, je sais déjà prononcer. » Non, il faut le faire. Associer, en fait, c'est vraiment, on profite, par exemple, on trace la décomposition plus le complet en 1 minute, par exemple, maxi. 1 minute, pendant 1 minute, on a mémorisé la prononciation plus l'écriture. Donc, en fait, c'est double efficace, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc ça, c'est hyper important. Et en même temps, on associe les deux. Donc, ça, c'est une pierre de coup. C'est hyper important. Alors, s'il y a des questions, je vais attendre un petit peu tout à l'heure et je vais revenir après. Donc, pour tracer un caractère, c'est comme ça. Tout d'abord, le pinyin. Et l'idéal, vous pouvez aussi mettre la signification en français à côté. Et ensuite, vous commencez à tracer dans chaque case, trait par trait. D'accord? Et vous prononcez au moment quand vous écrivez le pinyin. Et vous prononcez quand vous tracez chaque trait. Et à la fin, vous faites un caractère complet. Vous reprononcez. Déjà, on a prononcé 3 fois. Ok? Sans bien. Une fois que vous avez terminé ça, et vous pouvez reprendre la même chose, c'est-à-dire faire une décomposition et de faire un caractère complet. Et ensuite, on peut faire 2 fois caractère complet de suite. Pourquoi on fait la décomposition et pourquoi on devrait suivre l'ordre de traçage? Donc en fait, quelque part, il y a quelque chose de logique. Parce qu'en fait, cet ordre-là, on ne le fait pas n'importe comment. En fait, cet ordre-là nous permet d'avoir un traçage plus fluide et plus rapide. Parce que, en général, comme vous savez peut-être déjà, normalement, c'est de gauche à droite, de haut en bas. Ou alors, quand il y a une enceinte, on trace l'enceinte et puis on va garnir. Et puis à la fin, on ferme l'enceinte. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça. Et une fois que vous êtes habitué, ça va venir rapidement. Tout début, ça va être qu'il faut s'y habituer. Prendre la bonne habitude de tracer trait par trait et de respecter le bon ordre, d'accord? Quand il faut traverser, quand il ne faut pas traverser, c'est différent, ok? Donc voilà, on a fait le tour de comment vraiment mémoriser, apprendre un caractère, d'accord? Donc en fait, ici, ça, c'est la première étape, c'est-à-dire, en fait, vraiment apprendre. Une fois on a appris, qu'est-ce qu'il faut faire? La révision, n'est-ce pas? Donc, au niveau de révision, je vais aussi ajouter un mot, c'est que il faut garder en tête, vaut mieux avoir des révisions très fréquentes, en petite quantité, que d'avoir une révision qui dure 2-3 heures, vous voyez? Donc, c'est beaucoup moins efficace. Vous avez l'impression que vous... travailler pendant 2 heures, j'ai appris énormément de choses, je suis super contente, mais en fin de compte, votre cerveau, il aura du mal à retenir. Donc, vaut mieux faire... ici, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on prend un exemple d'une semaine. Lundi, on apprend 10 vocabulaires. OK? 10 vocabulaires, par exemple, admettons, on a appris pendant 30 minutes à fond la prononciation, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaye de les écrire, etc. Si, dans la même journée, si vous arrivez, vous aurez un petit creux de 10 minutes, un quart d'heure, vous le reprenez en fin de la journée, vous apprenez le matin, et puis si vous pouvez revoir le soir ou l'après-midi, là, en fait, ça reste encore au chaud, en fait, on va dire, et c'est beaucoup plus simple à les retenir. Donc, vous faites ça. Si vous ne pouvez pas, le lendemain, impérativement, il faut les revoir. Même si c'est rapidement. C'est vraiment très important. En fait, ça, c'est pas moi qui ai inventé cette théorie. C'est la courbe de l'oubli. Peut-être vous connaissez déjà. C'est en fait quand on apprend quelque chose, tout début, en fait, pendant après 1 heure ou après quelques heures, en fait, le pourcentage qu'on a retenu a beaucoup chuté. Et après, en fait, la courbe devient toute plate. Donc, en fait, il faut vraiment profiter, travailler à fond dès qu'on a appris
les vocabulaires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, mardi, on reprend 20 minutes, même si un quart d'heure, et on reprend, on les remémorise. Et puis, mercredi, vous pouvez reprendre. Et puis, après, vous pouvez attendre un petit peu. Mercredi, je dirais, par exemple, on peut attendre vendredi ou samedi, dimanche même. Et vous pouvez faire des tests. Il n'y a pas de règle vraiment strictement à respecter. Et c'est à chacun de trouver vraiment, c'est un exemple. Exemple, ni hao, ni la shi, Miss Lin. C'est vraiment un exemple à vous donner. Hein. C'est pas, donc en fait, il n'y a que avec ce genre de d'habitude, on arrive à retenir. Et après une semaine, ce n'est pas fini. La deuxième semaine, on est censé de reprendre encore un petit peu. Je pense qu'en fait, quand on apprend des leçons, normalement, on est censé de réviser ce qu'on a vu la semaine dernière. D'ailleurs, je pense que certains élèves connaissent déjà cette règle-là. Donc, en fait, on revoit rapidement, quitte à 5 minutes. Au moins, en fait, le cerveau, il est habitué de les revoir. Donc, après, peut-être après 2 semaines, et on les revoit. Et au fur et à mesure, en fait, la mémoire est bien installée pour ces 10 vocabulaires. Vous voyez? Donc, en fait, c'est la révision espacée. Il ne faut pas dire chaque semaine, je travaille pendant 3 heures mon chinois, puis je suis super contente parce que je travaille super longtemps. Bah, peut-être que ce n'est pas tellement efficace si vous voulez espacer en petite quantité. Plutôt les laisser lisser sur une semaine, sur long terme. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, je sais que c'est pas évident, mais quand vous prenez le métro, quand vous, je sais pas, quand vous prenez une pause, vous sortez, vous n'êtes pas obligé de toujours prendre le livre avec vous. En fait, ici, d'ailleurs, je vais parler une autre chose, c'est de, au niveau de format pour la révision. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses. Il y a des flashcards en papier, vous pouvez fabriquer par vous-même, vous coupez en petit papier, une face en chinois, l'autre face c'est pinyin plus la signification, et puis vous les gardez sur vous tout le temps, et puis quand vous avez une pause de 5 minutes, vous reprenez, et c'est hyper simple. C'est simple à dire, hein. C'est difficile à avoir cette habitude. Donc, sur les applis, vous êtes tout le temps sur votre téléphone, donc vous pouvez très bien sortir application, par exemple le Chinese Simple HSK, vous pouvez sortir, vous regardez 2-3 mots même, et c'est super bien. Il y a que avec ce genre de méthode, on va revoir les mêmes vocabulaires dans des contextes différents. Ça, c'est hyper important. J'adore cette phrase, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si on dit on connaît quelqu'un. En fait, si on connaît quelqu'un, on devrait le reconnaître dans plusieurs contextes. Peut-être j'ai mal formé cette phrase, mais d'ici là, je voulais dire c'est la même chose que le vocabulaire. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de le voir juste sur le manuel. Ah, ce mot-là, je le connais, c'est bon, c'est acquis. Non, il faut essayer de le mettre dans une phrase, le retrouver, je ne sais pas, dans un magasin ou à la télé, peu importe. En fait, on le revoit plusieurs fois, le cerveau a bien mémorisé. Et là, on peut dire, on connaît très bien ce mot-là. Vous voyez? Donc ici, je vais vous partager une petite méthode que j'ai découverte. Et je trouve que c'est super rigolo. C'est une petite, c'est un petit accordéon, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, je l'ai fait, c'est sur une feuille A4, vous voyez. Et puis après, en fait, c'est comme si vous allez faire plusieurs étages, vous les pliez, vous voyez. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que là, en fait, vous mettez les caractères chinois. Pas de pinyin, d'accord? Pas de pinyin. Et après, ici, deuxième étage, là, c'est shangke. Ça veut dire aller en cours, ok? Suivre un cours, aller en classe, d'accord? Donc ici, vous pouvez mettre la signification en français et plus le pinyin, d'accord? Donc vous pouvez faire ça. Donc en fait, quand vous allez réviser,
Tout d'abord, vous ne regardez pas le deuxième étage, vous regardez d'abord le premier étage. Ça, c'est vraiment l'ancienne méthode où... Non, mais on peut... Des fois, en fait, on s'en moque, mais mine de rien, ça peut être très efficace si vous gardez la bonne habitude. Vous voyez? Donc, en fait, on peut le garder dans la poche, dans le sac à main. Et puis, quand, je ne sais pas, quand vous prenez le transport en commun, vous sortez ça... Et puis, par jour, vous vous donnez un défi. Cette semaine, bon, j'ai listé 4 vocabulaires. Pas cette semaine, peut-être, je ne sais pas, pendant 3 jours. Mon objectif, c'est de retenir les 4 mots. Vous voyez, c'est hyper simple à réaliser. C'est juste un bout de papier, puis vous mettez. Et après, une autre chose, c'est que faut pas mémoriser non plus n'importe comment les mots. Il faut aussi essayer de rassembler, je sais pas, par la signification. Ici, je l'ai fait au pif. En fait, par exemple, shangke. En fait, ils ont quasiment tous commencé par shang. Shangke, c'est aller en cours. Shangban, c'est aller au travail ou travailler. Shanglou, c'est aller à l'étage, monter à l'étage. Et ici, xia, c'est à l'inverse de chant, c'est descendre. Xia yu, pleuvoir. D'accord? Donc en fait, ça c'est... Ni hao gadel. Oui, justement, je pense que c'est l'occasion de partager. Ça fait très longtemps que je voulais partager cette méthode-là. Je trouve que c'est génial. Donc vous pouvez faire ça. Et au fur et à mesure, je pense que vous pouvez même faire une petite collection de tous ces papiers-là. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous pouvez être super fier de vous si vous avez à maîtriser un tas de papiers. Donc, dedans, vous pouvez imaginer le nombre de vocabulaire, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est juste un exemple. Hein. Vous pouvez faire sous autres formats, tout ça. Éventail, oui, effectivement, oui. Merci Kim, de votre humour. Alors voilà, donc en fait ici j'ai partagé quelques méthodes, mais je pense que c'est quelque chose vraiment, si vous débutez ou ça fait longtemps que vous apprenez, il faut vraiment revoir votre habitude de comment travailler, comment fonctionner. Parce qu'on ne connaît pas cette langue, c'est tout à fait différent que par rapport à tout ce qu'on a appris, comme les autres langues. Donc, il faut utiliser des méthodes adaptées et travailler plus intelligemment, je dirais. Voilà, donc j'espère que mes méthodes pourront vous aider et pour certains élèves qui vont suivre mes cours, donc voilà, vous pouvez pratiquer dès le début de septembre avec ces méthodes-là et... je pense que vous me direz plus tard le feedback, ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, super. Si ça vous motive, si c'est motivant, je suis super contente. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez dire, par exemple, quelles sont vos remarques, vos difficultés quand vous apprenez cette langue, la prononciation, pour retenir les mots, ou à l'oral, pour la grammaire, à la grammaire. Alors, pour la grammaire, je dirais, ça rejoint sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Instagram, Facebook, tout ça. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de... comment dire? D'ailleurs, beaucoup de vidéos sont très, très bien faites. Le souci, c'est qu'en fait, c'est vous... déjà, il faut suivre le programme. Et dans votre programme, si dans tel texte, telle leçon, il y a telle grammaire, à ce moment-là, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il ne faut pas juste dire... Bon, maintenant, je vais faire apprendre telle grammaire, mais sauf que derrière, je n'utilise pas. Donc, en fait, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas efficace. Je dirais, en fait, c'est quand vous suivez les leçons, dans chaque leçon, il y a les textes.
En fait, les grammaires, normalement, ce que je faisais, c'est que d'abord, on apprend la grammaire. Et ensuite, on va donner quelques exemples. Et on va l'apprendre dans le texte, de revoir autrement. Et ensuite, plus tard, l'idéal, c'est que les élèves fassent leur propre phrase avec cette grammaire-là. Je donne un exemple très rapidement qui vient en tête comme ça. Le superlatif. Ni hao, Daniel. Le superlatif, zui. D'accord? Zui. Donc, on dit zui, ça peut, qui signifie le plus. D'accord? Le plus. Souvent, il est suivi par un adjectif. Donc, zui hao, le meilleur. D'accord? Et zui, zui piaoliang, le plus joli. OK? Donc en fait, vous pouvez, dès que vous savez comment utiliser, donc en fait, vous essayez de utiliser tous les vocabulaires que vous connaissez et vous essayez de construire des phrases. Et puis, si possible, vous vous faites corriger. Et comme ça, en fait, vous allez comprendre, ah, toutes les phrases que j'ai faites sont correctes. Donc, je considère que c'est bon. Tai, ah, tai, c'est extrêmement. Tai ou trop. Donc en général, en fait, tai, on dit tai hao le, tai hao le, c'est trop bien, c'est super, d'accord? Donc en fait, c'est comme en français, extrêmement. Extrêmement, en général, il est suivi par un adjectif, vous voyez? Donc en fait, ce genre de règles, les grammaires, en fait, en chinois, il est différent que beaucoup de choses qui sont différentes en français. Personnellement, je pense que l'apprentissage du chinois, c'est un processus de mémorisation, accumulation, apprentissage, accumulation de connaissances, de utilisation des mots. En gros, c'est ça. Je dirais pour les autres langues, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, faut abandonner un petit peu notre habitude de parler en français. Je sais que par exemple, tous les compléments de temps, tout ça, on met à la fin de phrase, compléments de moyens, etc. Sauf qu'en chinois, on le met vers le début de la phrase. Donc, ce genre de choses, il faut déjà garder en tête, ah, ici, il s'agit d'un moyen, un complément de moyens. Par exemple, je vais au travail en voiture, ah, je ne peux pas mettre à la fin de phrase. Il faut que je mette vers le début entre le sujet et le verbe, par exemple. Il faut penser ce genre de règles. Et je sais que, il suffit pas de juste mémoriser les règles. Il faut continuer à construire des phrases. Et c'est sûr que tout début, vous allez faire plein d'erreurs. Mais on va faire plein d'erreurs, mais c'est pas grave. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui puisse vous corriger. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment les erreurs, ce sera corrigé. C'est trop difficile de parler mandarin. Je donne un exemple. Je cite toujours le même exemple. Comme moi, j'apprends le français. Ça fait dizaines d'années que j'ai appris cette langue. Je ne parle pas comme des natifs, mais là, souvent, je fais quand même des erreurs. Je me souviens, des fois, j'ai dit des phrases, en fait, je sais que c'est faux. Et chaque fois, j'essaie de parler vite et ça sort tout seul. C'est toujours une phrase fausse. Au bout de 5, je dis des bêtises, 5, 6, 7 fois, c'est tout le temps, ah, je me suis encore trompée, ah, c'était ça, mais c'était pas ça. Et au fur et à mesure, jusqu'un jour, peut-être après 2 mois ou 3 mois, et j'arrive à prononcer la bonne phrase. Et c'est ça, cette étape qui est longue. Mais il faut le faire. Faut pas hésiter à faire des erreurs. Vous voyez? Donc, faut oser parler. Faut oser construire des phrases. Il faut se forcer à parler, à construire des phrases. D'accord? Faut pas se limiter de juste, je connais ces caractères. Ces mots-là, je sais tout, je sais tout, tous ces mots, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Mais quand il faut que je construise une phrase, je mets un peu de temps, je bégaye et je cherche les mots, je sais pas, je connais tous les mots, mais j'arrive pas. C'est parce que
vous n'avez pas, vous vous êtes pas mis en situation. Donc, en fait, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, de dire, ah, comment on dit ça en chinois? Comment on dit ça en chinois? Donc, au fur et à mesure, ça va, le cerveau s'habitue. Catherine, le problème, c'est que on est seul pour parler. Je ne suis pas 100% d'accord. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec un élève quelques jours. C'est que même si on ne connaît pas d'amis chinois, on ne connaît pas, on n'a pas de tantem, on n'a personne ici. Une chose, c'est que on peut se mettre devant un miroir et puis si vous avez appris, je ne sais pas, 5 mots aujourd'hui, vous pouvez très bien essayer de dire, vous vous mettez devant un miroir, puis vous ne regardez pas le texte, pas de mots, rien du tout, et vous essayez de dire, je vais en cours aujourd'hui. Il va au travail demain. Ma mère monte à l'étage. Des choses comme ça. Déjà pour commencer. D'accord? Et au fur et à mesure, dans une semaine, dans un mois, 3 mois, peut-être vous pouvez commencer à faire des phrases un peu plus complexes. Vous ajoutez un compliment de temps, ajoutez un... je ne sais pas, hein, c'est toujours la même chose. Je vais en cours. Alors, vous pouvez dire, dans 2 mois, je vais en cours à l'école, par exemple. À l'école, c'est un complément. Je ne sais pas, dans quelques semaines, vous pouvez rajouter encore, je vais aller en cours avec mon camarade de classe demain, par exemple. Donc, en fait, il faut vraiment essayer d'utiliser, mobiliser tous les vocabulaires que vous avez appris. Ça, c'est hyper important. Cette partie, cet exercice-là, c'est quelque chose vraiment est basé sur le fait que vous avez déjà bien appris le leçon. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore trop compris qu'est-ce que ça veut dire ce mot, et j'hésite un petit peu à utiliser telle chose, tel mot, là, c'est un petit peu compliqué. Une fois que vous sentez, ah, j'ai appris 10 mots, mais au moins il y a 5, je suis sûre. Là, impeccable. Là, vous pouvez utiliser ces 5 mots, imaginez tout ce que vous pouvez, et vous faites des phrases. Et vous vous forcez à faire des phrases. Tout début, il y a des élèves qui essaient de faire genre, bon, j'écris en français, et ensuite, je vais essayer de traduire mot à mot en chinois. Alors, c'est pas très bien, parce qu'une fois on fait ça, on sera toujours habitué de traduire mot à mot. D'ailleurs, en chinois, faut pas traduire mot à mot. Parce que quand on traduit en mot à mot, souvent, dans beaucoup de cas, on fait des phrases fausses. parce que c'est la grammaire qui est différente, vous voyez? Voilà, je ne vais pas aller très très loin. Oui, mais je peux faire des erreurs de grammaire et qui va corriger ma phrase. Je comprends. C'est pour ça, en fait, si on voit un tantem avec quelqu'un en échange, ça peut être très bien. C'est-à-dire, en fait, pour certains, peut-être vous avez le professeur, vous pouvez montrer à un professeur, ou vous avez des amis pour avoir quelqu'un qui peut vous corriger. L'idéal, c'est que au bout de, je parle en général, hein, au bout de 1 an, 2 ans d'apprentissage, si vous avez des amis chinois et vous pouvez parler face en face, c'est encore mieux. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui puisse vous corriger en live. Ça, c'est mieux. C'est normal de se tromper et ce n'est pas grave. Oui, il faut pas avoir peur, ouais. Le dire parfaitement dès la première fois. Bah exactement, Cadel. Donc faut pas hésiter à parler. En fait, c'est déjà franchir cette première étape, c'est hyper important parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas encore. Vous voyez. Alors Robert, c'est en forgeant qu'on devient forger. Ok, très bien. Si on travaille caractère, est-ce qu'on sera compris un peu comme une écriture de médecin? Car je m'applique à tracer et ça prend du temps. Ce
Alors, déjà, pour le caractère. En fait, pour les caractères, tout de suite là, j'ai pas d'exemple. En fait, vous pouvez effectivement imprimer des grilles d'écriture. En fait, il y a déjà des décompositions pré-remplies avec une couleur un petit peu sombre. C'est un petit peu comme le coloriage pour les enfants. C'est-à-dire, en fait, vous allez tracer dessus. Vous mettez une couleur sur le trait gris. Et puis, comme ça, en fait, dans un premier temps, on est sûr que vous n'allez pas vous tromper. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, après deux lignes, vous pouvez essayer de faire votre propre caractère. Mais tout début, l'idéal, c'est de faire ça. Il ne faut pas juste dire, je regarde l'écran, c'est quoi la décomposition et j'essaye de reproduire la même chose. Non, ça va être très compliqué. D'ailleurs, ça, c'est un très bon détail que j'aimerais aussi préciser. Donc, faire d'abord déjà avec les grilles pré-remplies. Ensuite, les tons. Alors, les tons, vous savez que ce n'est pas facile. Je sais que surtout si on apprend tout seul, malheureusement, on ne peut pas toujours avoir, on ne peut pas toujours identifier est-ce qu'on a prononcé correctement ou pas. Première chose, déjà, il faut appliquer les règles que je vous ai parlé. D'ailleurs, je peux vous envoyer le lien de vidéo sur YouTube sur les quatre tons. Vous essayez de trouver équivalent et vous vous entraînez plusieurs fois. Et après, beaucoup de gens qui le font, c'est qu'en fait, ils écoutent dans des applications pour un mot ou dans des fichiers MP3. Il écoute, il répète. Il essaie de faire genre comme des notes de musique, il reproduit. Après, acheter et vendre sont deux mots proches. Je me dis que ça peut être dur de se faire comprendre, sinon je pose pas assez ce qui est. En fait, c'est la question de ton, c'est pas une question de poser assez ou pas, je dirais. C'est-à-dire, en fait, des fois, ça dépend vraiment des personnes. Peut-être certaines personnes qui sont très sensibles au son, à la musique, et peut-être qu'il aura un peu plus, un tout petit peu plus de facilité, pas toujours, à mimer le même son, intonation. Mais pour certains, on a un petit peu de mal à identifier mais acheter, mais vendre, mais, d'accord ? C'est normal. Tout début, on fait des erreurs. Même l'autre jour, je vous ai dit, Wo wen ni, je te demande, Wo wen ni, quatrième don, Wo wen ni, troisième, c'est je t'embrasse, vous voyez ? Donc en fait, souvent, je ne vous cache pas, les occidentaux font beaucoup de blagues, beaucoup de choses un peu étonnantes devant les Chinois. Donc des fois, on est un peu surpris, mais on sait, donc c'est normal, hein, faut pas avoir peur et puis on parle plus. Non, au contraire, il faut oser. Et si vous avez du mal, en fait, une petite astuce, si vous êtes assez fort, si vous avez assez de vocabulaire, vous pouvez essayer d'expliquer le mot que vous ne savez pas dire avec d'autres mots. C'est ce que je fais en français d'ailleurs. C'est d'une blague, mais quelque part ça marche. Mais bien sûr, en fait, il faut avoir un niveau de vocabulaire assez suffisant pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais vraiment, des fois, un jour, quand vous allez voyager en Chine, vous faites des gestes avec un peu de prendre quelques mots à gauche, à droite, et puis je pense que la personne, ils vont comprendre. Il n'y aura pas de souci. Mais effectivement, pour ceux qui travaillent, hein, je comprends, beaucoup d'élèves en fait travaillent en semaine, et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment libérer un tout petit peu de temps qui t'a 10 minutes par jour et de vraiment consacrer pour le chinois. Et ça, c'est hyper important. Vaut mieux faire vraiment tous les jours 5-10 minutes et on revoit ce qu'on a vu en début de semaine jusqu'à la fin de semaine, même si on a travaillé 30 minutes, 40 minutes, c'est toujours mieux que travailler pendant une heure à la fin de semaine. Vous voyez ? J'utilise l'appli gratuite Kisley pour encoder mon vocabulaire. Et c'est pas mal plusieurs façons de réviser.
Oui. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup d'applications qui sont très bien faites. C'est vraiment à chacun de trouver ses repères, de trouver la bonne méthode, d'avoir une révision fréquente, espacée. OK? Oui. Au mieux avoir quelque chose vraiment avec la prononciation, parce que certains qui disent j'ai du mal à prononcer, c'est parce que peut-être c'est parce que vous n'avez pas assez écouté. C'est quelque chose qu'on dit souvent le input-output, c'est-à-dire en fait on essaie de reproduire ce qu'on entend. Donc si on n'entend pas assez, bah pour reproduire c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Donc faut oser, faut toujours vraiment dans le transport en commun, vous mettez la MP3 et puis vous réécoutez, vous répétez si possible. Et ça, c'est vraiment l'idéal. OK? Juste pour ceux. Ah, d'ailleurs, dernière chose, juste un petit rappel concernant l'inscription de mes cours au mois de septembre. Donc, vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour vous inscrire. Pour ceux qui ont encore des questions sur la formation ou des doutes, ou peu importe, vous pouvez quand même me contacter. On peut faire un entretien téléphonique pour que je vous explique sur certaines choses de détail. Ou alors, si vous avez, peu importe, vous avez des difficultés, ou peu importe, vous pouvez me contacter. Et j'essaye de vous apporter quelque chose qui peut vous convenir, parce que chacun est différent. Donc en fait, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas avoir une seule méthode, une seule chose qui va pour tout le monde. Vous voyez? Donc on peut faire un petit entretien téléphonique et je vais aussi comprendre votre attente et puis on peut en discuter. OK? Roland, je suggère qu'on discute un peu plus tard. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par message sur YouTube, plutôt adresse mail. Je vais vous envoyer mon adresse mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai partagé pas mal de choses ce soir quand même. Beaucoup, beaucoup de méthodes. Et j'espère que vous allez vraiment appliquer ces méthodes-là dès la rentrée. Et il ne faut pas se lâcher. C'est vraiment une langue. On a besoin d'un travail régulier et beaucoup de monde qui y arrive. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas. Vous voyez? Donc, il faut garder cette motivation-là. Faut pas faire des coupures, genre, ah, j'arrête pendant 2 semaines et puis je reprends après. Non, ce n'est pas une bonne méthode parce que souvent, quand on reprend, et on met beaucoup, 2 fois, 3 fois plus de temps pour récupérer tout ce qu'on a appris. Donc, c'est vraiment dommage si on lâche en plein milieu de la route. Donc, c'est hyper important de garder cette dynamique. D'accord? Ok. Donc, il n'y a pas de questions? Et plus tard, quand vous aurez un niveau un peu plus avancé, vous pouvez regarder des terrains chinois, sous-titrés, écouter des podcasts, plein de choses. Quand vous aurez assez de vocabulaire, je pense que vous pouvez quand même changer. En fait, il y aura plein de ressources différentes par rapport au niveau des élèves. Donc, on aura plein de choses. On ne va pas s'ennuyer. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Une fois que vous maîtrisez cette langue, vous pouvez aussi lire des petits bouquins. Vous pouvez lire des documentaires. Vraiment. Ça peut être très, très enrichissant au niveau de la culture. Oui, mais bon, je pense qu'en fait, l'apprentissage de langue, il y a toujours comment dire, des points communs. Pour ceux qui ont déjà appris quelques langues, je pense que vous avez l'habitude, mais pour le chinois, il faut mettre toutes nos habitudes de côté. On perd un peu les repères, mais il faut mettre nos habitudes de côté. Et c'est comme ça qu'on arrive à apprendre correctement et efficacement.
Ok, très bien. Ok, bon, bah, très bien, mais il me semble qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie pour votre présence pour cet été et continuez votre apprentissage. Tissu, ceci, Zhongwen. Ok, et je vous souhaite une bonne rentrée ou une bonne reprise. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ça tienne. Si, c'est Jean-François. Alors, je vais vous laisser mon mail pour ceux qui souhaitent me contacter. Okay. À très bientôt.